Salut tout le monde, c'est JB et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Rookie's Ground. On s'attaque à Unlimited Saga sur PlayStation 2. Avant de commencer le jeu, truc que je fais jamais mais là c'est vraiment énorme, le packaging de la jaquette, pochette même devrait-on dire, du jeu est juste énorme. Un écran bordeaux, place pour deux CD, un joli manuel avec un dos carré collé plutôt cool, avec une petite démo de l'épilogue de Final Fantasy X-2. Bon allez, c'est parti. Pour commencer, on a le choix entre différents personnages. Il y a Laura, Kurt, Ventus, Judy, Ruby, Army et Meat. Un peu à la façon du Wild Arms 3 que nous avons vu quelques épisodes précédemment. On choisit un chapitre pour commencer et découvrir l'histoire du personnage. Moi, quand je me suis renseigné sur le jeu, première chose que j'ai vue, c'est Laura, ex-pirate. Et en plus, sa brigade de pirates s'appelait les Sea Wolves, je crois. Donc c'est plutôt stylé, donc nous allons commencer avec Laura. This is Neva Kalina. It is the hamlet where I first met Laura. The funeral of her husband, Pablo, has just ended. But it was a funeral without a body. Her beloved Pablo died in an accident while traveling. Only his glasses were left behind. The cracked lenses gave little clue as to Pablo's fate. Pablo. Ok, ça commence direct sur les chapeaux de roue. Des mecs qui poursuivent un jeune garçon. Et Laura, qui sous sa tenue de funérailles était en fait en tenue de guerrière, qui met des gros punch de ouf. Ok, éliminé. Ah, dommage. J'espérais que ça soit une phase de combat, mais apparemment, c'est pas vraiment le cas. C'est de l'automatique. Elle contre. Petit sort de feu plutôt cool. Et lui il fuit. Ok. Je vous suis reconnaissant. Reconnaissant, vous dites? Mais par la terre, qui êtes-vous? J'avais entendu dire par des personnes que le palace de Escata avait été attaqué. Je pense que c'est... Je vois maintenant que c'est vrai. Alors, pourquoi le prince Henri d'Escata est-il poursuivi? Je n'en sais rien. Mais ils ont bien envoyé des gens? Ou c'était juste des bandits? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais vraiment pas grand-chose, hein? Bon, de toute façon, il faut que tu te changes, car là, tes vêtements, ça le fait pas. Well, what do you think? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je me sens pas vraiment très confortable. Bah, tu vas t'y habituer, va. Bon, allez, faudrait qu'on parte avant qu'ils ramènent des renforts. Tu sais où tu pourrais aller? Tu vas pas me dire que tu as juste été enfermé dans le palais d'Escata toute ta vie. Il y a bien quelque part. J'étais au festival de Regina Leon pour honorer ma grand-mère. Mais j'étais vraiment petit et je me souviens pas. Oh, maintenant je me souviens. Vaftom. Ma mère est née à Vaftom. On pourrait aller là-bas. Vaftom, c'est plutôt loin. Mais bon. Je connais l'endroit. On y va? Je te suis reconnaissant. Et pardonne-moi, mais quel est ton nom? Je suis Laura, et je suis née à Gadeira. Alors nous pourrions nous arrêter sur notre chemin. Je n'y suis pas allé depuis très longtemps. L'histoire commence sur les chapeaux de roue, quoi, c'est direct, bim, le prince, palais attaqué, Laura, ex-pirate, mari mort, vengeance. Plutôt rapide, quoi. Alors, à l'hôtel du chapeau du bonhomme de neige, nous pouvons acheter des objets et recevoir des informations sur notre aventure. Là, c'est pour partir de la ville. Ici, pour récupérer des objets magiques et de l'équipement, et ici
un endroit où nous pouvons engager des carriers. Si vous êtes un carrier, venez ici pour trouver du travail. Ok, donc, voyons voir au Snowman's à l'hôtel. Shop. Je désire vendre des objets. Stone leggings, serpentine, Wizardsuit, Fang, Block, Stone Spear. Bon. Ok, information. Rassemblez des informations pour votre aventure. Aventure, sélectionnez l'aventure pour la commencer. Changez les équipements entre vos personnages. Save and record your aventure. Ok, enregistrez. Adventure. Emmenez Henry à Vaftom. Le premier stop est Banda. C'est parti. Désolé, l'école de Pablo est fermée. Ok, donc l'école de son mari se trouvait ici. Et donc, il est mort. Pablo. Ok. Donc, à gauche, un menu avec skill, item, equipment, status et kit. Ok. Ah, pour se déplacer, c'est le stick. Ouais, les deux sticks se permettent de déplacer. Et j'imagine qu'en descendant... D'accord, on se rend vers la direction souhaitée. Ok. Wow, piste. Skill. Ok, donc là je pense que je peux l'attaquer. Piste. Preventive, attaque préventive. Ok, donc j'ai l'assurance d'attaquer avant. Et donc nous battons contre Step back, little man. Un monstre. Donc HP 125, LP 15. HP 52, LP 12. Ok. Ah, j'imagine que c'est le nombre d'actions que je peux faire en haut à droite. Donc là, weapon melee. Donc punch, kick, throw. Fang knife, quick throw. Ok. Bestial armlet. Ok. Scale. Ok. Bon, on va faire un sort, on va tester Fire Arrow sur le drag. Ah voilà, donc la bête c'est un Draco Pup. Donc un petit bébé dragon. Et un Quick Throw. Ici on va faire Quick Throw aussi. Et un autre Quick Throw. Ah, 5. Ah oui, pardon. Ok. Oh là, c'est quoi cette roulette? Ah ok, je viens de voir un sort de feu là. Il y a des flammes maintenant. Ok. Oh, s'il faut que je chope les flammes pour pouvoir réussir mon coup, ça va être galère. Raté. Ah, elle fait quand même. Ok. Ah, je pense que ça doit augmenter la avec une attaque élémentaire. Genre, ça doit. Ok, je l'ai tué. Je pense que quand on tombe sur le bon truc, ça doit augmenter la puissance de l'attaque. Ah, je gagne pas de points d'expérience, rien. Pourquoi j'ai moins de HP? Oh là. Ok, j'ai fait un R3 et il me demande si je veux rester sur place. On va tester. Tu restes pour un tour. Ok, donc en fait ça se passe comme sur un vieux donjon et dragon, on se déplace par tour, donc j'imagine que les ennemis se déplacent en même temps. Ah, c'est cool. Ça me rappelle vraiment Crimson Shroud sur 3DS par le mec qui a fait FF Tactique et Tactique Ogre. Vraiment en mode vieux jeu de plateau quoi. Ok, je viens de comprendre. En fait, quand on fait les attaques, ça consomme des points de vie. Le punch consomme 10 points de vie, le kick 15, throw 15, quick throw 5 et 1 EN. Et ça, c'est combien le fire? 15. Ok, d'accord, donc faut faire super gaffe à pas consommer tous ces points de vie en faisant des attaques. Oh.
C'est marrant, j'y repense là, mais avec ce Unlimited Saga, il y a le prologue de FF10-2. Quelques années, un an avant je crois, on avait eu dans Final Fantasy VI la démo du 10. Et là dans FF Type O, il y a la démo du 15. Et celui-là, j'ai vraiment hâte de l'essayer. J'espère que je pourrai faire des vidéos dessus et tout. Ça serait vraiment cool car c'est un jeu que j'attends beaucoup. Un peu le renouveau de Final Fantasy parce que les jeux couloirs style FF13, c'est vrai que ça m'avait pas mal gavé. J'avais pas trop kiffé. Et j'espère que ce Final Fantasy XV va vraiment redorer le blason de cette licence. J'ai vu qu'il y avait plein de personnages vraiment cool. La bestiaire des... Enfin, la bestiaire aussi complète que d'habitude, quoi. Donc c'est... Je compte beaucoup sur le jeu, en fait. Ça va être très très cool. Halt! Tu es le prince Henri d'Escata, n'est-ce pas? Et alors, qu'est-ce que ça peut vous faire? Ok, je viens de faire une parade, c'est cool. J'espérais qu'Henri puisse tous les one-shot à la suite, ça aurait été vraiment cool, ça nous aurait... Enfin, ça m'aurait surtout permis de pouvoir me concentrer que sur le gros après, mais il n'y arrive pas, c'est pas de chance. 1, 2, ok. J'ai réussi à en avoir 2 sur la ligne. On va recommencer. Quick Thrust, ok. Et là, un autre Quick Thrust sur. Et Laura. À qui reste 20 points de vie. Mais ça paraît une vitesse. Fire Arrow. Quick Thrust. Quick Thrust. Ah, ils ont changé de position, c'est plutôt cool ça. Good swing. Oh, défense! Bien joué! Ok, donc là on a de nouveau Laura et le feu est maintenant. Maintenant. Oh non, rien à voir. Bien joué, bravo. Fire Harrow. 144. Ah, ça l'a pas tué, ok. C'est pas grave. Quick Thrust. Mais donc là, j'ai 0 points de vie. C'est bien ça, j'ai 0 points de vie. Et je suis toujours vivant.
Donc là c'est pareil, Henry il a plus de points de vie normalement, il est à 0. Fire arrow. Ok, j'ai raté le feu. Oh, Sonic Frost. Ok, elle a arrêté le quick pour faire un Sonic. Ah, il y a du bleu maintenant. Ok. Ah, oh, presque. Elle refait un quick. Ok, d'accord. Donc si j'avais fait le bleu... Ah, j'ai gagné. Donc si j'avais fait le bleu, ça aurait été un Sonic. Bah, je pense qu'on va se reposer. Ah, changement d'environnement, on passe sur la grande route avec les rosiers. Fini le vent hivernal. Oh là. Donc là, je viens de tomber dans un piège avec des pics à l'intérieur d'un trou. Il y a une roulette qui vient d'apparaître. Il y a une croix, je pense que ça veut dire que c'est raté. Il y a une dynamite, apparemment, ça veut dire que c'est raté, je pense. Et il y a un rond vert, donc je pense qu'il faut choper le rond vert. Et j'ai raté. Ok, la dynamite, you were unable to. Tu as été incapable d'éviter le piège, tu te prends 71 points de dommage. Génial. Ok, c'est reparti. Slime. I've never seen such monsters. Oui.
Donc nous y voilà, fin du niveau. Ah, donc voilà pourquoi on gagnait pas d'expérience en fait. On gagne des habilités. Et donc ça, c'est comme dans Tales of Xillia, avec la toile d'araignée et les compétences apparemment. Donc je déplace des points sur le côté. Donc là, j'ai la Dagger Arts que je vais mettre... Non, là... Ah non, c'est une conne... Mais... Bon, merde. Ok, comment est-ce que... Ah merde, j'ai perdu les trucs. Ok, donc... est-ce qu'il y a un moyen de revenir... Bon, peut-être à la fin, il va me demander de valider. Donc, lui, je lui mets au niveau de l'épée, la maîtrise de l'épée, niveau 2. Et là, j'ai fini. Je ne peux rien faire d'autre. Alors, change to grown panels. Non. Return. Voilà. Ok, donc là, je suis retourné en arrière pour Henri, mais je voudrais retourner en arrière pour Laura. Comment je fais? Ah, voilà, c'est bon. Ok. Donc, je vais pas prendre dague niveau 2, vu que j'ai déjà dague niveau 3. Drop, tag, art, ça on s'en fout. Donc j'ai le niveau 3. Et ça c'est le cave. D'accord. Bon, on va prendre le cave guide. Ou le... Non. Non. Allez. Je prends le cave guide. Et je le place... Là. Où les vis drop. Ah, je remplace celui que j'ai déjà, qui est niveau 1 par celui-là niveau 2. Allez, on fait ça. Ok, et donc là, hop, maîtrise de l'épée, à côté de l'épée. Nickel. Nous voilà à la carrière de Wanda. Alors, The Tumbleweed Inn, Carrier's Guild. Donc, nous allons aller à l'hôtel. Qu'est-ce qu'on a comme information ? Oh, salut, je m'appelle Judy et mon grand-père m'a demandé d'aller trouver ma mère. Moi, c'est Henri, est-ce que tu cherches toute seule ta mère? Oui, mais il y a une raison, c'est pas ta mère avec toi? Non, ma mère me manque, mais moi, je suis sa tante. Ok. Laura, tu ressembles à ma mère? Est-ce que j'ai l'air si vieille? Bon, on va jusqu'à Vaftom. Tu serais la bienvenue avec nous. Vaftom, je rêve d'y aller. Comme si je n'avais pas encore plein sur le dos avec Henri, il faut que je me trimballe une petite fille avec moi. Merci de me laisser venir avec vous, Laura. Ok, donc j'ai récupéré Judy, qui est apparemment une magicienne. Qui a l'air plutôt bien équipée. Est-ce que je peux voir View Skills? Voilà. Alors, Ancient Magic Tablet. D'accord, elle a des trucs pour nous aider à traverser les... Pourquoi pas, ok. Donc, quelle est la prochaine aventure? Calling all those... C'est une aventure, ça. Alors, la route pour Vaftom, part 2. La pierre de lumière. C'est une course pour ramasser les pierres Lumina. Quelles sont les ombres bizarres qui apparaissent dans le désert? Et annuler les aventures. Bon, bah je pense qu'on va se laisser là. C'était plutôt sympa. Et je vous laisse. Allez, salut, c'était JB.